everyone, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Alors, je vais pas parler longtemps, mais juste pour introduire ce vlog, alors c'est le tout premier de la chaîne, enfin le tout premier officiellement, sinon il y en avait déjà eu par le passé, mais c'était pas encore le temps, mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, je vous présente ce vlog. Vous pouvez sûrement, ceux qui me suivent sur Instagram, peuvent déjà comprendre que ça date, que je pouvais le poster depuis, bah, anyways, it's okay, today is still a good time. Donc, dans ce vlog, en fait, le 4e anniversaire de l'église, de mon église, CPDC à Ottawa, ainsi que la conférence Love, Cocktails and Miracles, à laquelle j'ai assisté en novembre dernier à Laval, Québec ou Montréal, de Couronnée d'Amour. C'était un super moment. Donc, j'espère que vous allez profiter de ce très beau vlog, en fait, that I put together for you guys. N'hésitez pas à liker, à le partager, à me laisser des commentaires, mais surtout à vous abonner parce que c'est le premier d'une longue série, j'espère, mais il y a d'autres vlogs qui sont en cours. Et donc, ouais, that's it. Profitez bien et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye! My makeup is done. Je suis rentrée. It was une belle journée, vraiment une belle soirée. J'ai vraiment bien profité. I cried. I was like, Dieu est vraiment fidèle. Donc là, je dois me préparer parce que demain on est sur la route. Je suis sur la route. We're gonna see. Dieu est fidèle, ça va le faire. Ça va le faire, il faut que je trouve une place où dormir. Du coup, je trouve un... Sorry. Il faut que je trouve une place où dormir, un moyen de transport. Comment je vais manger. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà une liste de ce que je dois mettre dans une valise quand je voyage. Donc, c'est pas long. J'espère juste que je vais trouver la place. Let's go. I don't feel like going. But you don't do things based on feelings. Donc, par la grâce de Dieu, ça va aller. OK? So, yeah, c'était la partie numéro 1. Let's go. Oh,
Good, hello friends. Nice place. I like it. Je me demandais s'ils avaient un miroir. Yay! Ils ont un miroir. It's good. We have a king size bed, come on. Et un petit café thé. Je suis plus thé que café. Thé lit, commode. Un petit bureau. Un autre miroir. Everything here. Et the outside. Looks good. Looks about right. Loving it. Loving it. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas trop de temps. Need to go. C'est mon manteau, mon écharpe ici. J'ai déjà mis mes affaires dans la douche. Donc, anything. Ça, j'ai trouvé ça ici. It's nice. Je vais utiliser le petit savon sable pour la ville. Je sais pas quel genre de savon, by the way. J'ai pas envoyé de savon. Je me suis dit qu'ils allaient m'envoyer, m'en donner. Donc, ici, j'ai un body. Ça, c'est le shampoing. Ok. Ça, c'est lotion pour le corps. Et ça. Conditioner. Oh, donc ça, c'est le seul savon que j'ai, en fait. Ok. Je sais pas s'il y a des cabinets ici, non. Je peux pas ouvrir ça. Donc, c'est le seul savon que j'ai. Mais je dois laver ces pinceaux-là, en fait. Ça, c'est pour blush. Ça, c'est pour foundation. Comme vous voyez, sans ça, j'ai pas eu le temps de les laver. Hier, j'étais un peu dans le rush. Donc, bon. J'ai mis make-up ici, all the things, make-up and skincare, perfume. Actually, ça, ça sent vraiment bon. J'ai acheté ça à Bath and Body Works. Ça fait genre femme mature un peu là, mais bon. It's really nice. Donc, ça, c'est pour tout ce que j'ai mis ici dans ma douche. Pour tout à l'heure, j'ai vidé mon sac, puis j'ai juste mis les choses dont je vais avoir besoin. Masque, mais ça, je ne vais pas le porter. En fait, j'ai un autre masque ici que j'ai lavé avant de venir, mais qui n'est pas très sec. Donc, j'ai vu que c'est noir. Je pense que ça va mieux aller avec my outfit. Et j'ai vu qu'ils ont un sèche-cheveux. Dieu merci, parce qu'il faut que je lay my wig. Et puis, ils ont this and this that I need. So, it's perfect. Je vais juste ici ranger mes habits. Et puis me reposer un peu because I'm tired. So, this is my cute face. J'ai juste enlevé my hair. Je vais me reposer a little bit. Je vais me reposer a little bit. Et puis aller parce qu'en ce moment, il est exactement... Ah, c'est quelle heure? J'ai l'impression que ma montre n'est pas à l'heure. Parce qu'ici, ça me montre qu'il va être 16h. C'est parce qu'on a reculé d'une heure et que this baby is not on time. Donc, il va être 15h. Donc, je vais prendre genre 15 minutes de me reposer. Et puis, OK. Bye. Bye, guys. Bye, guys. À tout à l'heure. Bon, avant qu'il arrive, je suis là, mais midi n'est pas loin, comme s'il est fini. C'est à ça que je ressens today. Come on, somebody. C'est ça que je ressemble. Very elegant. Je vais mettre ça, mes chaussures, and then we are ready to go. But I hope you can see the whole outfit. So, yeah. Is it too much? I don't think so. I look good. Attends, je vais vous montrer d'ici. Voilà. Good. Okay. On y va. Thank you.
fatiguée, je suis venue. Ils ont dit que... Comment ça s'appelle? Que... Comment? Le restaurant de l'hôtel était fermé, la cuisine était fermée. Alors, le restaurant ferme à 23h, la cuisine ferme à 22h. Donc, moi, je suis rentrée à 22h et poussière là-bas. Donc, j'ai dû commander sur Uber Eats. Ils n'ont pas mis le nom du resto. Ok, c'est ici. Grand Burger Boulevard. J'ai pris un burger avec des desserts et tout. Au pire, je pourrais manger un peu demain matin because I'll be busy. But we will see. Donc ici, j'ai mes rondelles d'oignon, sauce chocolat pour mon dessert que je ne vois pas. Ok. Ok, donc ici, j'ai frites, burger. That looks good. Ça, c'est la sauce chocolat noisette pour les churros. Donc, je vais m'asseoir manger un peu. Puis, par la grâce de Dieu, j'aurai un peu plus de force. So, good morning, beautiful people. Je viens juste de me réveiller. Il est 10h. Your girl gotta go back home. So, friends, j'espère que vous allez bien. So, il est 10h52. Je dois retourner dans ma villa Gatineau. Ma villa Gatineau là-bas right now, check out et appeler le Uber. Oh, j'espère qu'il va venir à temps, que je vais arriver à mon covoiturage à temps. So yeah, I'm done right now. J'ai fini de ranger mes trucs. La basic outfit. Je pense qu'il fait 3 degrés. So yeah, voici ma chambre au départ, mes poubelles ici, bla bla bla. Ici aussi, everything. We are ready to go. Oh, les passes. Et on y va. Là, je suis dans le hall, j'ai fini de check out. Parfait, 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 parfait. Faut que je m'habitue à regarder la caméra ici. J'attends mon Uber, par la grâce de Dieu, il a 4 minutes de distance. Donc ça fait que je vais arriver comme un bon 20 minutes à l'avance. Mais c'est bon, j'aurai le temps de tester ma manager et tout. Pour lui donner plus de détails. And then. I'll be ready to go. Il y a 3 minutes, puis il fait chaud. So, hey friends, là je viens de revenir, je viens de rentrer par la grâce de Dieu. God is so good, Dieu est tellement bon. Ça fait que, en fait, on a eu 30 minutes de retard parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas pu venir à temps et tout ça. It was okay. Mais les 30 minutes qu'on a eu de retard, franchement, c'est les 30 minutes que j'aurais pu faire dans mon bus pour venir à la maison. Pourquoi? Parce qu'en sortant de l'autoroute, je suis arrivée... attendez. Voilà, donc le monsieur m'a déposé genre à quoi, 5 minutes, 7 minutes de marche de la maison. Alors que j'aurais dû descendre peut-être à Ottawa là-bas et puis passer du temps en fait dans les transports encore. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée tôt. Donc immédiatement, je viens ouvrir mon ordinateur pour commencer à travailler et tout. God is good. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Je vous retrouve bientôt.